savoir. Puis je veux pas savoir. Alors nous y voilà. Je sais rien de toi. Bien sûr, je sais quelques petites choses, à force de lire tes livres, mais... Je suis censée croire que cette Anglaise n'existe pas. Pourquoi ça ne te suffit pas? Pourquoi ton mari ne te suffit-il pas? Vous couchez encore ensemble? J'aurais parié que tu me poserais cette question. J'aime savoir ce qui se passe dans ta tête. Mais j'ai pas l'intention d'y répondre. À supposer que je meure et qu'un biographe tombe sur ton nom, qu'est-ce que tu lui dirais? Il n'a pas écrit un seul de ses livres. Ils ont été écrits par toute une série de maîtresses. Et moi, j'ai écrit les deux derniers. Et moi, c'est ça m'humilier. C'est un jeu. Il est où, mon livre? Quel livre? Le livre dans lequel je suis. Je suis venue à ton hôtel et tu as voulu que je monte dans ta chambre. Et la petite américaine, la fofolle, c'est qui? En fait, je me souviens que très vaguement de toi. Ah bah désolé. Naturellement, tu m'as manqué. Qu'est-ce qui te manque? Tu veux savoir? Non, pas de propos grivois, s'il te plaît. Je suis un écouteur. Je suis un audiophile. Un audiophile, mais quelle connerie prétentieuse. Très érotique. Elle n'est que des mots. J'ai beau essayer, je suis pas capable de baiser des mots. Et je me fous de ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas. Ou comprennent trop bien. Ah, dis donc, qu'est-ce qui va se passer quand il va te demander d'où vient ce bleu sur ta cuisse? Non, il l'a déjà fait. Oh. Et alors? Bah, je dis la vérité. Je dis toujours la vérité, comme ça on ne se laisse pas piéger par le mensonge.